C'est à Villepinte, durant la Japan Expo 2014, que nous avons pu tester en exclusivité avec quelques privilégiés le nouvel accessoire indispensable des gamers, l'Oculus Rift. L'Oculus Rift, c'est vraiment le futur de demain? Non, vraiment, l'Oculus Rift, c'est une avancée technologique dans l'univers du jeu vidéo. J'avais jamais vu ça avant. C'est dingue! Qui startait en 2012 par plus de 20 000 personnes, l'Oculus Rift est enfin présenté en France dans un carré VIP. Mais comment ça marche l'Oculus Rift? La réponse en images. Well, it's really simple. You just got to... Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit de brancher cette prise dans votre cul. Et là, directement, vous serez à la place du personnage. Ce que l'on fera dans le futur, c'est implémenter des commandes à base de rotation d'anus et de P pour contrôler votre avatar sans avoir besoin d'une manette. Se retrouver directement dans le jeu, c'est ça la promesse de l'Oculus Rift. Une promesse que nous espérons tenir le plus rapidement possible. Une utilisation simple comme bonjour. L'objet est très réactif, les commandes répondent à l'appel, la promesse de la révolution gaming est bien là. Mais quid des professionnels? Les jeux compatibles seront nombreux au dire des développeurs, et selon une récente interview, Mark Zuckerberg serait très intéressé par la technologie de l'Oculus Rift. On s'est dit que quitte à sodomiser les gens à petit feu avec les conditions d'utilisation de Facebook, autant sodomiser les gens littéralement. Assiste-t-on à la fin du jeu à la manette traditionnelle? Est-ce que le prix de l'engin à l'image de la machine sera lui aussi douloureux pour le rectum? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, les gamers sont prêts à l'accueillir. Moi et mon copain, on adore! Il faudrait quand même quelques petites améliorations. Vas-y. L'Oculus Rift, c'est vraiment le futur de demain. L'Oculus. L'Oculus.